shall gather, more shall enter the fray. Plava et Kekette, Jean-Marie, Jiki, Miafir. Mais barrez-vous, bande de cons, on va tous crever. Enjoy your stay. Ah bonsoir, je suis Lord Poulpi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Darkest Dungeon. Aujourd'hui, on va affronter le nécromancien. On va pas l'affronter, on va l'éliminer, comme il est écrit dans la description de la quête. Allez, sans plus attendre, allons-y. Nous sommes semaine 64. C'est important pour la chronologie. Pour les pierres tombales aussi, très important de savoir quand ils sont morts. Alors, 6, oui. Non. Oh, si, on va prendre une petite clé quand même. Ça, non, si, oui, une pelle. Allez, on prend une pelle. Allez, on y va. I entertained a delegation of experts from overseas, eager to plumb the depths of their knowledge and share with them certain techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests, I murdered them as they slept. La maison du bonheur. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Ah, bah dis donc. Quelle joie. Allez, on va aller le chercher directement. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Une gargouille. Un sac 10 points de vie. Ah, j'ai eu peur. Vu la taille des bestiaux. 10 points de vie, mais protection 50%. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Résiste au saignement? Ça ne résiste qu'au saignement. Ok. D'accord. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ça m'a l'air tout bidon. Je propose donc qu'on les tue tout de suite. Ah, ça résiste. Ah, ça résiste bien. Oh, mais merde! Les gars! Les gars! Heureusement que c'est bidon! Excellent! Je me demande si j'ai déjà fait. Est-ce que j'ai déjà fait une quête vétéran. Dans ce lieu tout moisi? Ah, peut-être pas! Peut-être pas, je ne sais pas! Allez! Deux points de vie, l'autre là-bas! Attends, si je fais ça. Ça fait des dégâts ça. Ouais, un petit peu de dégâts. Est-ce que je vais en faire deux? Je vais en faire qu'un, je sens. Et voilà, j'en ai fait qu'un. Oh bah je lui mets un saignement. Ah, t'es morte. Ah, t'es morte, t'es vilaine. Oh, t'es impie. Bon, t'es morte aussi. La force de Jean-Marie, le croisé, il est de retour. Et il est pas content du tout. Allez, dégagez. Oh là là, ça y est. Ça y est, je les malmène. Je les malmène et ça fait extrêmement plaisir. Ouais, remets-le derrière Jean-Marie. Ah, pourquoi tu résistes? Faites, laisse porter. Laisse-toi porter par la force de gravité. La force de pousser. Hein? Un coup de queue qui pousse Kekette. Ah, combat de quelque part. Un combat de Kekette. Si, quelque part. Quand on y pense. Vaut mieux pas y penser, certes. Mais... Oh, il a esquivé, quoi. Mais les gargouilles, ça esquive pas, c'est tout. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'en fous, t'es morte. Allez, tout le monde est mort. Allez, dégagez. Ah, fous le camp. Fous le camp, je vais plus te voir. Jean-Marie. Allez, finis la lecture. Mais oui, écoutez. Écoutez, je suis devenu explorateur de la crique. Ça tombe bien, on n'est pas dans la crique. C'est pas de chance, Jean-Marie. Non, c'est vrai que c'est pas de chance. Bon, alors là, on est bien. Là, y a rien, donc on est bien. On va aller chercher le nécromancien et on va le fesser. Ah, Plava. Plava qui est croyant. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, Plava, fais quelque chose. Bonus, plus 20% de dégâts jusqu'au camp. Eh bien, écoute, il n'y aura pas de camp, je te l'annonce. Il y aura du boss direct. C'est comme ça. Ah, merde. Ah, il peut être là, j'avais pas vu ça descendre jusque-là.
Ah, une chance sur deux. Avec la chance que j'ai, ça va pas être par là. D'accord, on a déjà faim. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça t'intrigue, Mia. Ah, va voir dedans. Reste pas enfermé, surtout. Ah, bah, bravo. Ah, bah t'as chopé une maladie. Bon, c'est pas grave, c'est cité hystérique. C'est pas que c'est pas grave, mais... Quoi que c'est un peu chiant, je crois, quand la torche est basse, c'est ça, hein. Moi, pour une précision, si stress... Ah non, si c'est le stress. Pff, bah oui, hystérique. Rien à foutre. Je te le dis, rien à foutre. Allez, je suis sûr qu'il est pas là. Je suis sûr qu'il est pas là. Pourquoi j'y vais? Parce que je veux en être sûr. Mais vraiment sûr. À 300%. Alors, attention. Ouais, superbe. C'est quoi ça? Ça se mange? Une carte, bah voilà. Alors, ah, c'est pas là-haut, super. Ah, c'est tout en bas. Ah, ça me gave. Demi-tour. Demi-tour. Qu'est-ce que c'est lent, la marche arrière. Allez. Allez, dépêche-toi. Alors, un combat, deux combats, trois combats. Oh là là, ouais, ça va faire. On va peut-être devoir camper finalement. Hein. Ça va peut-être être un peu plus sûr. Alors, nous avons un piège. C'est qui le plus fort? C'est Jacouille. Ah, un Jacouille et Plava à égalité. Non, on va prendre Jacouille. Il a un peu plus de stress. Ça va lui faire du bien au moral. C'est bon pour le moral. C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon. Petite chanson pour ne pas avoir peur dans le noir. Allez, venez vous battre. C'est quoi? Pff, c'est nul. Oh, c'est nul. Allez, attaquez. Allez, je vous laisse attaquer. Faites de la peine. Des squelettes tout moisis qui attaquent avant moi. C'est normal, les morts vivants sont rapides, c'est connu. Hein. Bah, c'est très connu. Dans Darkest Dungeon, c'est comme ça. Alors moi, je bute les impies. Tout le monde est impie, hein. Toi, t'es mort. C'est tout? Comment se fait-ce? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, loupé. Loupé, loupé, loupé. Tiens, j'ai envie de les faire chier, tiens. Allez, dégagez. Foutez le camp. Oh non, ça servit à rien. Ils ont interverti leur position. Toi tu veux mourir. Voilà. Allez, suivant. C'est toi le suivant. Je te vois. Oh, c'est peut-être toi. Tu m'as frappé, j'ai pas beaucoup aimé ça. Esquive. Oh, toi aussi tu m'as frappé, j'ai pas beaucoup aimé ça non plus. Jean-Marie va s'occuper de toi, mais plus tard. Esquive là. Esquive. Attends, l'esquive, elle est où l'esquive? Hein? Saloperie. Comment ça tu joues encore? Qu'est-ce que c'est que ces squelettes à deux balles? Tiens. Ah! Encore! J'adore! Ça marche pas. Oh, bien! Très joli! Très très joli. Non. Ah si. Pourquoi pas? Tu as frappé dans l'indifférence totale. Ouais, on ne prend pas au sérieux ce que je te dis, moi. Bravo Jean-Marie! Super. Super! Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop bien non plus, hein. On va pas se mentir, mais Jean-Marie. Ah, bon, du don. Hop, là va. Plava, il aime bien, hein. Il cherchait des BD. Bien, qu'est-ce que t'as trouvé? Sang épais, résistance au saignement, donc. Ah, tant pour moi. Je l'ai fait exprès. Je savais que Jean-Marie esquiverait. Bon, je vais garder mes deux pauvres torches. Des araignées. Putain, mais ça existe encore les araignées en 2016? Impressive. Allez. Ouais. Ah, quand même! C'est chiant. Deux dégâts pendant 5 tours, c'est très chiant. C'est super chiant. On va se prendre une volée d'attaque là. Aïe. Esquive, bien sûr. Facile. Accusation. Oh. Ah non, attends, elle a pas joué elle. Tu meurs! Ok, tu meurs pas. Mais tu vas mourir quand même! Voilà. Ok, les filles.
Tiens, attends, je vais soigner. Attends. 4. Non, je vais leur faire mal un petit peu. Je vais leur faire mal parce qu'après, elles vont me saouler. Vas-y, en premier, je suppose. Ah non, même pas. Ok, bah écoute. Écoute, puisque c'est ça, je les tue. This expedition at least promises success. Allez, mets une petite clé. Ah oh, merde. Ah oh, merde, ça marche sous les gros coffres. Ou quand il y a écrit qu'il y a un verrou. Oh, on apprend tous les jours. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces pièges qui s'attaquent à la dernière personne? Oh, j'ai que deux torches. Bon, je vais camper là, en espérant qu'il n'y ait pas de combat. Ok. Allez, on fait un petit camping. Un camping, ouais. Je bouffe tout. Je bouffe tout. Bon, de dégâts, c'est rien. Alors, voyons voir. Du soin pour tout le monde. Pour 3 seulement. Ouais. Parce que. Jacouille. Non, il a. Celui-là, un truc pour soigner. Mais. Supprime le segment et le poison. Tiens, on va lui faire ça, tiens. Voilà, c'est de la merde. Très bonne idée. Un compagnon réduit le stress de 15, ou stress de mortalité, on s'en fout. Discours de Zélote, seulement soi, réduit le stress de 15. Ça c'est bien. C'est très bien. Et du coup, est-ce que je fais le soin? Oui, remarque, hein. Ouais. Allez, hop, on est tout neuf. Et il me reste 2 points, réduire le stress, non. Quoique, si, on va le faire sur Jean-Marie. Comme ça, lui aussi, il sera immunisé au stress. Comme je te le dis. Alors, nanana. Ok, on va prendre ça aussi après. Allez, on y va. On dort et on y va. Et on se prend pas d'embuscade. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Des baies. Des baies dans des ruines. Qu'est-ce que tu racontes, Plava? Plava, tu es ivre? Oh merde. J'avais dit pas d'embuscade, les gars. On est surpris, je suppose. Bon, ça va. Aucune incidence, ce changement de place. Ah. C'est chiant, ça, par contre. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très... Ouh, c'est quoi, ça? Je connais pas, lui. Lancier osseux. Chance de critique, 16%. C'est à cause du noir, ça. Pas du tout. Ok. Ok, c'est noté. On va voir ce qu'il fait un petit peu. On va tester. Jet de lance. Ah, il fait... Le mec a fait un critique. Le mec, quoi. Tiens. Oh, moi aussi, je peux en faire. Alors, il reste un point de vie. C'est une blague. Tiens, meurs. T'apprendras. Bon, faut qu'on lui bousille sa race. Ça. Oh, mais sérieusement, c'était pas à toi de jouer. Oh, là, là, là. T'as joué en dernier tout à l'heure. Pourquoi tu fais ça? Faudrait que je regarde un petit peu comment marchent les tours de combat un jour. Histoire de d'arrêter de geindre. Il y a sûrement une logique. Tu veux dire. Il y a des calculs mathématiques savants qui changent d'un tour sur l'autre, je sais pas. Je sais pas. Bon, il reste un combat dans une salle. On n'est pas dans la merde, les gars. Non. Cool, cool. C'est quoi? Plus 20% de dégâts. Alors là, Jean-Marie. Jean-Marie, le tueur d'impie. C'est tout parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Plava. D'accord. Oh, pas Plava, ok. Bon, tu te prends des pièges, Jacouille, maintenant. Eh, où est ton... Hein? Où est ton agilité? Sarcophage. Oh, ils sont surpris. Ah, toi, tu vas être chiant, toi. Mais je ne peux pas t'atteindre. Je vais juste tuer lui pour l'instant. Regardez bien, il va disparaître. Il a disparu. Magie. La magie. Tiens, saigne. Saigne, misérable. Ah, tu vas rester un point de vie. Je suis obligé de faire ça. Ça me fait de la peine. J'avais pas le choix. Et toi, tu meurs. Tu meurs pas.
Esquive, bien sûr. Le gobelet dans la visière. Je me noie. Mais non, tu te noies pas. Ça coule par le bas. N'aie pas peur. J'avais pas vu, il est dégueulasse son cadavre. Ça y est, je peux jouer? C'est gentil. C'est fort gentil à vous. Alors, un point de vie. Oh, lui, tiens. Sans forcer. Sans forcer. Alors, on va soigner Jean-Marie. Superbe, 4 points de vie. Ah, ça change la vie. Et toi, 19, toi, tu es mort. Bon, ok, tu n'es pas mort. Je te laisse... Voilà. Ah, oh, pauvre crotte. Hein. Tiens. Toute ta gueule. Hein. Tiens. Oh, je t'ai loupé, mon Dieu. Est-ce que je suis maladroit? Ah, merde. Ah, c'est pas grave. Tout est prévu. Voilà. C'est ça qu'on voulait faire. Et c'est ça qu'on a fait. Maintenant, tu disparais. Retourne dans ta tombe. Oh, triumphant pride precipitates a dizzying fall. Entrouvert, c'est écrit dessus. Déception. Ouais, repérage, vas-y. Oh, il y a encore un combat avant le boss. Ouais, c'est super, dis-moi. C'est extraordinaire. Hein. Je vais taper du combat là. Alors. Tacticien des tanières. Tanières, c'est chez les hommes cochons. D'ailleurs, ça s'appelle comment ici? Je sais même pas. T'as un truc toi, non? Je crois, non? Tu n'as pas? Qui a... Crique, tanière... Ruine, voilà, on est dans les ruines. Ça fait plaisir. Jacouille, le pro des ruines. Attention! Oh merde, encore. Bon, quoi qu'elles ont pas fait trop mal au premier combat, mais là, je suis sûr qu'elles vont me défoncer. Hein. C'est des fois, c'est... C'est la beauté du jeu, c'est qu'un coup ça se passe bien et puis un coup, voilà. Un coup ça fait des critiques. C'est super. Toi, tu restes avec ton segment. Aïe. Allez. 5. Voilà. Bonus de dégâts, toujours, jusqu'au camp, ouais, parfait. 20% plus, je crois, 30% contre les impies, ça lui fait un petit bonus de 50% contre les bêtes de tout poil. Bon, la goule, à parler maintenant que t'es toute seule. Esquive. C'est pas grave. C'est pas la folie des points de vie, là, hein. Non. C'est pas trop la folie. Le nécromancien, il va falloir qu'on le déglingue à toute vitesse, mais je crois qu'il est fragile et qu'il fait un peu du caca, genre ouais, j'invoque des squelettes. Un truc un petit peu ridicule, quoi. Parce que Jean-Marie, les squelettes, il les tue. Les nécromanciens, il les tue. Ah, il tue tout le monde. Il tue tout le monde. Bon, je te tue, hein, que tu chantes. C'est ce que je te dis, moi. Bon, j'ai pas eu un loot de dégénéré, hein. Je trouve. Alors, on va augmenter les résistances. De qui? Toi, t'es dans le caca. Toi aussi. Voilà. Hop, on claque la torche et on y va. Et on dit bonjour. T'es tout seul? 158 points de vie. Ok. Ah, c'est extrêmement sale. C'est extrêmement sale ce qu'il a fait. Et ça me saoule. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Là-bas, il est dégoûté, quoi. Arc. Allez, hop. On te marque. Je te prends tout, tu vas prendre extrêmement cher. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va tuer les squelettes au fur et à mesure. On va essayer. C'est toujours le problème, c'est que ça marche pas toujours. Attends, c'est tout? Oh la vache. 4 points de vie. Il y a moyen. Ok, il y avait moyen, mais ça n'a pas marché. Ouais, reste derrière, c'est bien. Ok, encore un squelette. Il fait beaucoup trop mal à mon goût. Si, tu fais vraiment beaucoup trop mal à mon goût, petit salopard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai un plan. Tiens! Voilà. C'était mon plan. Maintenant, je sais plus quoi faire.
Non, je déconne. Tu saignes toi ou pas? Saignement 40%. Mais sûr que tu saignes. Bah saigne un peu, tiens. Fais-nous plaisir. Toi, t'es mort. Décidément. Jean-Marie? Mais Jean-Marie, que se passe-t-il? Où est ta force? Et là, t'es rouillé, il y a un temps que t'as pas joué, c'est pour ça. Ça doit être ça. Bon, 126. Ok. Esquive, esquive. Bon, ok, ça fait que du stress, on va dire que ça peut aller. Je préfère ça à des points de dégâts pour le moment. C'est chiant. Deux points de vie, bon. Jaku, il va te finir. Ah bah voilà! Je me disais aussi. J'ai pas eu de chance. La tombe peut t'attendre. Plava a parlé. Tiens, nécromancien, mange donc de la quéquette de Plava. Tu es bon, chat. Hein. Ouvre grand. 4 points de dégâts, c'est parfait. C'est génial. Tiens! Alors? Ça se trouve, il ranime les cadavres là qui sont là. Oh, on va voir. J'espère que non. Hein. Vous pouvez pas esquiver un jour? Ils ont combien en esquive, ces grosses quiches? Ah, j'ai que 18. Pourquoi j'ai que 18? Quelle est cette infamie? Hein? C'est quoi cette infamie? Ah, t'es trop loin. Ah, il est malin. Il est plus marqué en plus. Ça sent le critique. Je crois que ça sent le critique. Ouais, écoutez. Ah non. Enfin, écoutez, non. Santé. Santé! Bon. Je vais le marquer. Marc, il a pas de protection. Hein. Ça fait combien de dégâts en plus supplémentaires? Plus 90%. Ah oui, de dégâts contre les marqués quand même. Allez. Pas déconner. 90%. Le double de dégâts. Donc, ton tour, tu peux, entre guillemets, le perdre à faire ça. Vu que ta prochaine attaque fera quasiment les dégâts de deux attaques. Ok, t'as compris? Esquive! Tout le monde esquive! Ah, personne n'esquive. Bon, une fois de plus, c'est mieux que des dégâts. J'estime. Pour ma part, je préfère. Ça va, Plava, détends-toi. Je suis juste stressé. Tiens, regarde, tu vois, regarde. Regarde le vieux monsieur en robe. Tout naze. Regarde. Hop. Attends, je suis quand même très déçu par les dégâts. 22. C'est pas gagné, hein. Une fois critique, Jean-Marie. Tu peux faire ça? 8%. Plus 2%. 10% de critique. Alors. D'accord. Jean-Marie, la forte tête. Toi contre les marqués, t'as 80%. Tiens, essaye pour voir. Ça fait mal? Ah, toi tu fais mal! Ah, ça pique. T'es nul! Ah putain. Allez, c'est parti, on va se marrer. Jean-Marie, à toi. À toi l'honneur, ouvre le bal. Craintif, très bien. Super. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reculer? Non, tu vas rien faire. Je sens que tu ne vas rien faire. Ah non, d'accord, tu démoralises tout le monde. Écoute, c'est ton choix. Moi, je ne t'en veux pas. Bon, on va tuer le boss. Si. On va le marrer. Oh, 19, ça c'est beau. Ouais, c'est bon. C'est bon, il est en sucre. Ah, t'es mort. Dégage. Fous-moi le camp, t'es ridicule. Même pas peur. Tu portes une robe. Et moi, les hommes en robe. Je sais pas que... Voilà, mais... quand même, un peu. Pas déconner quand même. Hein, on les connaît, hein, les avocats, tout ça. Ce sont... Je n'ai guère d'égard pour ces personnes. Tiens, je te marque. Ah, je me fous de ta gueule. T'as moins de protection, tu vas faire quoi? Tu vas attaquer? Viens. T'auras pas le temps. Bon, ok. Mais attends, mais pourquoi ça fait pas plus mal, ça? J'aimerais comprendre... Non, non, mais tu peux rien faire, là. Tu crois que tu vas nous tuer? T'aurais dû attaquer Jean-Marie éventuellement. Et encore. Et encore! Ah! Ok. Il sert force à quéquette. Il sert force à quéquette dans le noir. C'est une méthode. Comme une autre, on ne passe stressé. Et voilà! Alors! T'as cru quoi? T'as cru rien du tout? C'est quoi ça? Plus 15% de dégâts. Moins 4 esquives, c'est chiant. Ça je l'ai déjà, ouais je l'ai déjà, ou je l'avais déjà. Eh bah c'est bien, eh bah je crois qu'on va partir. Oui on va partir, on se casse. On se casse dans la joie, en sifflant. Eh bah très bien écoutez. Bah alors, rien du tout.
On lui a mis sa race. Je suis un petit peu sur une mauvaise phase en ce moment avec Darkest Dungeon. Faut que j'augmente tellement de choses. 48. Je vais bientôt pouvoir passer au niveau 5 en équipement. Un des deux, tout du moins. Je crois que c'est 52. Ah, on va regarder, tiens. Regardons dans la joie. 58. Ok, t'es déçu. Il t'en manque 10. Bon, ça va aller vite. 10, c'est rien du tout. Que dalle. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne... une forte bonne soirée. Regardez. C'est l'aube qui se lève ou c'est le soleil qui se couche? Ah, j'ai entendu des oiseaux. Les oiseaux reviennent. Petit à petit, je nettoie l'endroit. Et ça, c'est beau, hein. C'est un petit peu... c'est quoi cette émission là sur TF1, là, qui était géniale, là? Tous ensemble. Regardez ce village pourri. Ah, on va le retaper. Ah, allez, tous avec moi. Ah, qu'il est con. Allez, au revoir.